Donc, selon on va dans Matthieu chapitre 15, au verset 21 à 24, il est dit, Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et à point, une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria, Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. Elle va très mal. Comme j'ai dit dans d'autres versions, c'est un démon et qui la tourmente cruellement. Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchaient pour lui adresser cette demande. Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. Donc les disciples étaient en train de cheminer avec ce soi-disant Jésus. Et il y a une femme cananéenne. Dans d'autres versions, comme j'avais dit dans la précédente vidéo, c'était une Syro-Phénicienne. Donc, cette femme cananéenne a remarqué ce Jésus, a su que ce Jésus, selon les Bibles classiques, accomplissait les miracles et prodiges, et ainsi de suite, et chassait, expulsait les démons. Et sa fille était possédée par un démon puissant, parce que c'est là, il y a une porte d'entrée qui était ouverte par rapport à cet enfant. Et cette femme va venir voir ce Jésus, va se mettre à crier parce qu'il y avait la foule, il y avait du monde qui était autour de ce personnage, de ce Jésus-là. Et la femme va crier, crier, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est possédée, est tourmentée par un démon, par un esprit mauvais, donc viens la délivrer, viens, viens l'exorciser. Et on vous apprend que Jésus n'a pas répondu parce qu'il n'est pas venu pour les Cananéens, il n'est pas venu pour les Noirs, il n'est pas venu pour les non-juifs en fait. Selon les Bibles classiques, Jésus n'est pas venu pour les non-juifs. C'est en cela où il n'a pas répondu à cette femme-là. Et pendant qu'il ne répondait pas, les apôtres ont commencé à s'adresser à ce Jésus en lui disant, en lui faisant savoir que cette femme en train de crier, dont ça perturbe, renvoie-la. Dans la Bible du sommeil, il est dit, ce à quoi, bon, oui. D'abord, le verset 24, il dit ceci. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Je n'ai été envoyé. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est ce que beaucoup de Noirs n'arrivent pas à comprendre, n'arrivent pas à pénétrer, n'arrivent pas à accepter que le soi-disant sauveur dont ils ont adhéré par ignorance et par ruse, est en train de faire comprendre ici, selon les Bibles classiques, que lui, il a été envoyé uniquement pour les Juifs. Il n'a pas été envoyé pour les non-Juifs. Il n'a pas été envoyé pour toi qui es en Amérique, pour toi qui es au Canada, pour toi qui es au Congo, pour toi qui es au Bénin. Il n'a pas été envoyé pour toi. Eh oui, toi le chrétien qui me regarde, toi qui adhères à ce Jésus, il n'a pas été envoyé pour toi. Ce Jésus le dit de sa propre bouche. Pourquoi vouloir contourner, essayer de vouloir accepter ce que tel disciple aurait dit plus tard? Pourquoi? Donc, et dans la Bible du semeur, il est dit, ce à quoi il répondit, ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Sa mission se limite. On vous apprend ici, selon les Bibles classiques, que ce soi-disant Jésus, avant de se manifester dans le visible, avant de venir dans le monde, il a reçu une mission, il a reçu une doctrine, il a reçu des préceptes, des commandements qui devaient descendre dans la nation d'Israël uniquement, qui va représenter la grande vigne pour venir chercher des raisins. Uniquement, c'était ça le deal. Il est venu uniquement pour ça. C'est pour ça que les prophètes de l'Ancien Testament, de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ont successivement prophétisé sur, par rapport au peuple d'Israël et que le Israël sera sauvé uniquement, selon les Bibles classiques, ça on va le démontrer. Donc c'est pour ça que ce Jésus dit ici que sa mission se limite, parce qu'on l'a limité sa mission sur la terre. Qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël, Bible, parole de vie, Jésus répond, Dieu m'a envoyé seulement. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus, dont Dieu a envoyé, soi-disant Jésus, seulement pour un but, pour le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez?
Et on poursuit ici, dans la traduction Edmond Staffer, alors il prit la parole, c'est seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël que j'étais envoyé. Que j'étais envoyé hier.